Et bonsoir à toutes et tous, nous voilà de retour dans Lies of P. On va aborder le chapitre 8. Nous étions arrêtés hier donc juste au début du chapitre 8. On va retourner en arrière, faire la zone que j'avais pas faite. Et voilà, donc on est parti. C'est parti, mon kiki, jouez, go! Aujourd'hui, j'aurai l'occasion que de tourner une seule et unique vidéo. Parce que j'ai un autre jeu à faire. Du style The Crew Motorfest. Il y a le Summit. Et je compte améliorer mes scores pour maintenir ma place platine et gagner le trophée, la voiture qu'il y a à gagner. Voilà. Donc, c'est chargé 23 h. Je sais pas où j'étais là. Ouais, je m'étais mis juste au début. Juste au début. oui, juste au début. Je saute là. Ouais. Première chose, on met la lumière. J'aime pas circuler dans le noir. Bon, on va essayer de reprendre le gameplay, un gameplay correct, parce que là j'ai... J'ai passé mon temps à jouer au jeu de voiture. Ah merde, putain lui. Putain. Ça commence bien déjà. Ça commence bien. J'avais oublié qu'il y avait le clébard. Ouais, bon. Allez. On va pas se démoraliser sur un... Un coup à la con. Bim. J'ai pas regardé les médaillons que j'équipais. Oui, c'est bon. J'ai bien les bons médaillons. On n'a pas perdu le réflexe du bras qui va bien. Voilà, donc là on arrive dans la première zone que je n'ai pas parcourue. Alors que je me souviens plus exactement ce qu'il y a à faire. On va se mettre derrière là, d'ici là, il pète la caisse. Faites-moi la caisse. Je sais plus comment. Bim. Voilà, comme ça je prends le truc. Oh putain, ils me mettent de ces gifles, c'est con. Allez, con. Allez, con. Là, je crois que... Oui, là, je crois qu'on peut monter directement. On monte directement. Oh putain. Oh putain, chaud aux fesses. Patch, patch peu cher. Donc, on peut s'emmerder. Hein. Bim. Coucou. Bim. You. Hey. Voilà, comme ça on n'a plus personne qui nous tire dessus. On est tranquille. On peut faire le ménage dans cette zone. Avant de descendre en bas, les autres ils vont tous me sauter dessus, ces connards. Oui. Thank you.
toi, tu dégages. Oh, les petits chargeurs des gens, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh merde, putain. Le lock qui marche pas sur le bon truc. Mais pourquoi il l'a pas locké, ce con? C'est moi qui ai pris le truc. J'étais loqué sur l'autre. Quel con. Hop. La police. Oh putain. Et c'est chaud, hein, c'est chaud. Il me touche encore, hein. Il m'a touché, hein. Po. C'est chaud, hein. Disons. Eh ben, mon coco. Bon. Ça pète pas au premier coup, ça. Ah bon. Ils font des points. Il n'y a pas à faire. Ils font des points. Oula. La piste que je vais me prendre, là, si... On va économiser un petit peu les popos là, parce que déjà j'en ai bouffé 4, hein, pour tout le merdier là. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Celui derrière, voilà. On devrait les faire péter tous les deux là, normalement. Voilà. Faut faire des prix de groupe, hein, faut pas s'embêter, hein, ma foi. Donc là, c'est là. Non, c'est pas là qu'on est arrivé. Je vois pas d'ennemis. Et je me méfie. De technique plus 1, je suis en plus 2 déjà. Enfin, je les porte plus, ces amulettes, à mode comment, à fond. Donc ça sert à rien d'ajouter dans la technique alors que je suis à fond. Ok. Alors là, il y en a un là. Il y en a un là. Ce serait bien qu'il pète du premier coup. J'ai eu de la chance. C'est vrai qu'avec mon arme courte, bon, n'oublions pas que j'ai comment dire, mon alors là, c'est là que je suis arrivé. Là, j'ai débloqué toute la zone. Ouais, j'ai débloqué toute la zone. Voilà. Hormis lui là, qui risque de me... Il risque de me faire chier
C'est vrai qu'il y a l'autre con là qui risque de me faire chier. On va le louer. C'était inévitable. Ouf. Chaud patate. Ah, ils sont ouais, ils sont agressifs dans cette zone, hein. C'est pour le moins le dire. Voilà, donc première zone qui n'avait pas été faite, on l'a faite puisqu'on l'avait fait en speedrun, on avait débloqué le truc. 42 000. Alors on va aller à Maloum, quartier Maloum, faire un petit plein. On va vider ces 42 000, puisque là maintenant que j'ai même plus, j'ai pas de quoi faire du up level parce que je suis level max, donc on va acheter du matos. On va acheter du matos. Bosses work hard. Ok. Donc ouais, je pense que là je peux en mettre 20. Pour que ça fasse le compte. La 20. Ça coûte cher quand même ce matos. 19. Que là ça c'est les bombes à lancer, ouais c'est plus utile que le reste. 19. Et là on met donc voilà il y a ça, hop et voilà, on prend deux trucs comme ça, on n'a plus rien. Les fruits c'est bon, Stargazer, donc là on va chapitre 8, on est au marais stérile. Bon, ben voilà. Bon, ben là, on va faire le tour. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des, il y a l'autre con qui tire. On va faire le tour. On va aller. Hop. J'ai plus de. C'est bon, il me dégomme. Là, je pars directement faire le tour. Aller dégommer celui qui nous tire dessus. Alors, déjà on pète celui-là. Ah.
pas s'embêter la vie. Ouais, pour faire tout le tour, il faut, faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. J'étais en train de réétudier la zone. C'est mieux comme ça parce que... Ah merde. Oh putain. J'ai eu l'échelle, j'ai pas eu de... Oh merde. Oh putain. Je tapais à l'aveugle. J'avais plus du tout d'endurance. The fucking endurance était encore totalement. Alors là, ouais, c'est là que j'arrivais. Donc, ok. Donc là, ok. Souvenons-nous des pièges, les pièges. Ouais, donc là c'est là. Il y a l'autre là. J'ai même pas eu peur. Est-ce qu'il vient juste assez près? Oui, il est assez près. J'y garde les caisses pour me... Ok, voilà. Comme ça, c'est clean. On remet une cartouche. J'avais vu bouger. Alors là, là, on court parce que ça s'écroule. Ici, on a une petite pute. J'étais pas assez près, donc de ce fait ça l'a pas tué complètement. Il y en a un qui est là. On va attendre qu'il tourne le dos, voilà, on le voyait à travers la planche. Petite erreur de ma part. Bon bah là il y en a un, on vise le baril normalement. Il veut pas sortir ce con. Voilà, là c'est propre. On récupère le coffre. Calibre de légion. Sachant que voilà, moi j'en ai pas l'utilité, hein, j'en ai plus l'utilité du tout. Hein. Bon là on a une boule qui arrive, tu vas passer
Je suis passé. Est-ce que je l'ai fait sortir lui? Oui. Il y a un truc là-bas. Le papillon, ce con là, le papillon, il sort uniquement quand on se barre là-bas. Faut attendre que la boule se vienne. Et on court là-bas. Je l'ai loupé, hein, le papillon. De progression. Contenu, là vous avez pu le remarquer, je ne loupe jamais aucun item. Là, la technique bête et méchante, bon, et là je la bats. Avant si je récupérais le truc, j'attends que la boule passe. Aïe aïe aïe, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille récupérer cet item? Catalyseur de femme, ouais, c'est critiquable comme truc judicieux. Moi, j'ai failli me faire dégommer. Faire de demi-lune, ok. Il me semble qu'on a un ennemi. Qu'il y a un ennemi qui est là. Aïe! J'ai de la chance. Aïe! Là, j'ai de la chance aussi. C'était là que je devais aller, mais... C'était là où je devais aller en fin de compte. Il m'a amené à l'endroit où je devais aller. Et le papillon il m'attend là-bas, mais je ne l'aurai pas. Mais c'est pas grave, hein. Le papillon c'est une manivelle ou un truc. Je me fous total de... Bon là on a un ours. Je crois qu'il y a encore un autre. Il me semble qu'il y en a encore un autre là.
Il me semble qu'il y en a encore un autre, ouais, j'en étais sûr. Coucou. Voilà. On va baisser le truc au cas où. Au cas où j'ai un problème avec l'ours. Parce que, ouais. Il se peut que j'ai un problème avec l'ours. Sans sauter dans les pièges. Là normalement il y a c'est safe. C'est là, j'ai déjà, je me demande où c'est que j'ai loupé la Lada en plus d'eux. Hein. Il me manque une cartouche. Il me manque une cartouche. On descend ici. Mais... Ah mais j'ai oublié de... Non, me dis pas que j'ai oublié de... Ah merde. J'ai oublié carrément de débloquer un truc. J'ai pas envie de me retaper tous les ennemis, donc non, c'est où c'est que j'ai oublié le short machin. Donc là, le pont il est cassé, ça m'arrange. Voilà, je sais pas où c'est que j'ai oublié ce short machin là. Ah oui! Comment ça se fait qu'il y en a encore un là? C'est là? C'est là que j'ai oublié. Ah oui, oui, il est en haut, l'autre. Je te blague, mon gars. Je prends le Stargazer. Ouais, non, mais là en plus c'est un objet à la con. C'est un objet à la con. Non, non. Je vais le prendre quand même. Mais là, il y a un objet à prendre. Celui-là, il est facile. Par contre, par contre, celui-là, je peux mourir hein, dessus. Il faut viser pile au milieu parce que il n'y a qu'une barre qui reste. Oh là là. Et cas de figure, j'ai pas trop envie de me vautrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Utiliser le Stargazer le plus récent. Ouais. J'aime pas faire l'équilibriste. Bon. Maintenant, on va rigoler.
Parce qu'on va avoir un ennemi un peu chiant. On va avoir un ennemi un petit peu chiant. Hein. Ouais, il y a cet ennemi là. Mais lui, il est facile. Par contre, il y en a un autre dans la... Il y a un objet là. Il y en a un autre dans la cabane. Mais j'arrive pas à savoir où c'est qu'elle est, cette pute. Elle est là. Je vais me faire prendre le piège. Oh putain, mais merde. Là, il y en a un qui braille, je sais pas où c'est qu'il est, j'en sais rien. On va récupérer la popo. J'ai encore de nouveau fait quasiment 40 000. Hein. J'ai encore de nouveau fait quasiment 40 000. Ouais, c'est les autres en dessous qui braillent. Allez, t'apparaît ou pas? Ah merde! Non, 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 non! Il est horrible celui-là je l'aime pas, je le déteste. Bisous. De saut. Ouais. Bon, alors, autant régénérer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je peux prendre un level. Oui, mais je peux pas monter au-delà de 100. Hein. J'ai bien pris tous mes levels. Parce que là, quand la jauge elle est en bleu, ça veut dire qu'on peut prendre un niveau, mais. On peut pas faire mieux. Qu'est-ce que je fais, moi? Allons à Maloum. Chaque fois que j'ai des grosses sommes comme ça, je vais pas les perdre, j'ai pas envie de les perdre. Faire le plein. Alors ça fait quelques voyages à faire, mais bon, moi, mon but c'est avoir 999 popos, vu que je vais me taper un NG plus 4, donc une partie 5. Alors, max de popos, façon de parler, c'est consommable. Enjoy the black.
Alors là, on va déjà lisser le truc. On avait dit, là, il en manque 16. 16. J'en ai utilisé que 6. Et là, j'en ai utilisé 8. Bon, ben là, je pense qu'on peut. On peut tabler sur 240, hein, sans aucun problème. Mais c'est toujours l'autre que je sacrifie, donc je m'en fous. 20 et là 16. Voilà, et on repart avec rien du tout en poche, comme d'hab. Ne prenons aucun risque. Perte d'ergot, ça sert à rien. Autant les mettre dans les trucs. Donc là, je suis parti. Chapitre 8, ravin des marais stériles. Voilà. Je me demande bien où j'ai laissé ce truc-là, putain. Cette cartouche Lada en plus 2, elle doit être quelque part. Parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que je l'ai pas. On passe après tous les autres trucs. L'autre, l'espèce de fou, là, on l'aura plus. On a juste des trucs là. On les récupère là. Et on est en train de faire l'ascension vers l'endroit où l'endroit où il y a l'autre qui tire là. Alors, avant tout, on monte à l'échelle. Là, en haut, il y a un pénible. Quand je dis un pénible, faut lui envoyer vraiment la sauce. Soit le combat au corps à corps, soit on l'a déjà, lui on le défonce. Ça sert à rien. Voilà. Là. Alors là, on a une échelle qui descend plus bas, mais. Est-ce que ça me permet de rejoindre? Alors, ouais, mais là, je crois que il y a des sbires en bas, il me semble. Oui, il y a des sbires, il y en a un qui est de l'autre côté, mais qu'on peut atteindre. Ouais, mais qu'on peut atteindre. Non, ça, c'est la sortie. Ça, c'est la sortie. Avant de faire la sortie, il faudrait que je fasse l'autre côté. Donc, il faut que je repasse par où je suis venu. Ouais. Pour aller libérer l'entrée du truc et faire le tour. Oui, il est vachement bien fait au point de vue des engouglias qu'il peut y avoir. Donc là, c'est bizarre, je croyais qu'il y en avait un. Ah oui,
c'est celui que je viens de buter. Je disais, je croyais qu'il y en avait un. Ben oui, oui. Il n'y est plus. He's dead. He's dead. Et machin. Oh merde. L'autre qui prend aussi à côté. Ça c'est nickel. On appelle ça un ménage proprement fait. On ouvre la porte. Maintenant, pour s'assurer de pouvoir faire toute la partie en dessous, parce que la continuité elle est derrière, mais il y a encore un truc à faire. Il me semblait qu'il y avait un truc à faire. Il y a un truc à faire dans les marais par là, je crois. Les manivelles, je vais vous dire, je m'en fous un peu. Ouais, ouais, il y a un truc à faire par là, il y a une sorte de boss. Oh, j'ai pas le temps. I have not the time. Fucking marionnette à la con, là. Je m'en fous. Je m'en fous, les lumières rouges. Là, par contre... je me souviens plus où c'est qu'elle est l'embrouille. Sujet 890, ok. Ça, j'ai oublié de le faire lui, dans la run précédente. Donc là, avant. Je vais peut-être y mettre. Ouais. Ouais, je vais y mettre un truc. Parce qu'il est. Il est un peu chiant, lui. Ah, you must trust me. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. J'ai même pas réussi à lui en mettre une. Eh mais là non mais là non mais là ça abuse, ça abuse, ça abuse sec là. Non mais ça abuse sec là, ça abuse sec là. Il abuse sec. Il abuse sec lui hein, putain, il est grave de chez grave. Putain. Il me fait une interruption pour pas que je me soigne. What was her name? I don't recall. Oui, je l'ai loupé. What was her name? I don't recall. Ça tu vas y perdre à ça. I remember now. My Adelina. Pourquoi il parle d'Adelina? Tu l'aimes. Putain. Donc on sait pas, on sait que c'est voilà. Donc là oui, il y avait lui à faire dans la zone. Pénible hein. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup pour avoir un masque de hibou? Ouais.
Il y a les robots. De la cartouche, ça. Il faut de la cartouche, hein, nom de Dieu. Voilà. Un quartz. Ok. Maintenant. Merde. Je vais avoir du mal à finir l'autre. J'ai bouffé. Ouais, donc j'ai pas tout bouffé. Ouais, il en reste encore un à défoncer. J'ai pas le temps avec vous. Hein. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas le temps. Moi, c'est. Ouais, mais attends, bouge pas. Espèce de petit lâche. Voilà, j'ai pas l'intention de me faire chier avec des trucs. Hein. Regardez avec la thune que j'ai récupéré 76 000. Et putain le connard. Hein. Lâchez-moi, mon papillon. Voilà, ma niveau de mobilité. Il y en a encore un autre par là, je crois, il me semble. Il est reparti, putain, il est où ce putain, ce fucking papillon? Ça, c'est un papillon puisqu'il nous attaque. Voilà. Lui donne les pierres de lune sombre du contrat. C'est pour ça qu'il nous attaque. On en avait encore un autre, je sais plus où, par là. Papillon. Attends, bouge pas. Ouais, il y en a un là. Il est là. C'est pas pratique avec une arme courte. Amplificateur de stabilité, ça c'est pour faire pousser les trucs. Et il me semble il y en a un autre de l'autre côté par là. Ouais. Il est où? Ouais, c'est un violet. Amplificateur chimique, ok. Bon, là on aura fait tous les papillons. Ok. Là on a fait tous les papillons. Hein.
Ok, bon, ben là maintenant il me reste plus qu'à remonter là-haut. Rejoindre l'échelle là-bas qui mène à la suite. J'espère que j'aurai pas de problème. Il me reste 5 potions. Ouais, mais c'est bon, j'ai quand même super bien clean la zone. J'ai super clean la zone. Normalement c'est bon. La zone elle est terminée. Il restera que The Fucking Boss. Là je me souviens plus s'il il se casse. Donc par sécurité. Là il va y avoir un tremblement. Donc là il se casse pas mais. Un tremblement de terre. Là, pas de problème, les ponts sont pas piégés. Il y a que les endroits où je fais des sauts où ils sont piégés. Donc on a l'autre, le petit pote. On a la grâce ici. Avant de le toucher, on récupère le truc. Hop. On fait semblant de lire. Salut mec. Hey, are you a treasure hunter Hugo. Too? Strange to meet someone in my life. I know how this looks, but I'm not a thief. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but all I can do is keep plugging away. Alidoro. If you come back by, life is short, and life all I can do is keep. Parfait. You never. And unlike a lot of professionalism, that's why I know there are rumors. The rumors. Alidoro is those alchemists. I mean, come on. Would you get a load of it? Ok, ça c'est l'avis de recherche d'Alidoro. Comme quoi on le recherche, on le filera à Alidoro. Life is short, and all I can do is keep. Et on a encore à propos du trésor découvert. It's a cryptic vessel. I think it's a clue. You know what they say. Un réceptacle cryptique. Life is short. All I can do is keep. You never heard of Alidoro. And unlike a professionalism, that's why I know there. Ça tu me l'as dit. Donc on sait Alidoro machin. Donc là on a un réceptacle cryptique. Avant tout. On va dépenser les 80 000 en consommables. Reconstituer les stocks. Tranquillement. Mais sûrement. Parce que là, on va avoir le boss démarrer. Le boss démarrer. J'aime pas vraiment. Les autres me posent pas de problème, mais lui, il me pose des problèmes parce qu'il a tendance à plonger sous terre, à rejaillir. Et c'est chiant. C'est pénible. Bon, là, on va viser 260. Donc, on va mettre 22. Parce qu'avec toute la thune qu'il y a, là, on va mettre 20. Là, on va mettre 20.
Là, on va mettre 6,40. Hein? 26. Vingt-neuf. De carcasse que je mets toujours en moins parce que en fin de compte je m'en sers pas, je m'en sers pas vraiment, donc voilà. Donc là c'est même pas la peine que je me transporte là bas on fait Stargazer de l'hôtel, réceptacle cryptique, on va faire la quête liée au réceptacle cryptique. Il doit y avoir une quête de lier à ça. Est-ce que elle parlerait pas là pour l'instant? I get the puppets, but what is happening? Non, ça c'est quand on va avoir débloqué le truc. Bon, donc là. I always welcome. There you are. Now, just leave this to me. Done and done. You will find Venini always six. Ok. Donc là, il faut retourner en arrière. Il faut retourner en arrière. Et aller à Maloum. Ok. Se téléporter là. C'est au sentier du pèlerin. Et si vous avez suivi mes vidéos précédentes. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle, je vais boire un coup. Ah, le chef Philippe Thiebest, je vais mettre un peu la télé. Oui, j'y disais, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, hein, je vous ai montré comment débloquer ce raccourci, donc on va prendre ce raccourci pour aller récupérer un coffre. Donc là, on reprend l'échelle, on remonte en haut. Parce qu'il y a l'autre code. J'ai pas le temps de la loquer malheureusement. Lui c'est bon. Ok. Donc là, et ben là, il faut tout simplement descendre en bas. Alors attention. J'avais bien fait cette porte. Et oui, mais
Et oui, mais là, ils risquent de sortir, ces connards. Ils risquent de sortir. Ils risquent de sortir de... pour venir m'agresser, ces cons. Il y en a encore un deuxième. Et je crois qu'il y en a encore un autre dans la zone, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc nous on va là-haut, ils ont dit dans le truc, le repère c'était repérer les cordes à linge. Là je me retourne parce que il me semble qu'il y en a un qui arrive. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je me suis fait surprendre une fois. Donc, on va parler à lui. Lui nous donne une clé. Voilà, la clé de la cabane du voleur. Alors, la cabane du voleur, ouais, on peut y faire le... On utilise la clé. Il y a des mecs qui sont en dessous, hein. Le but du jeu, c'est de ne pas tomber. On tombe pas tout de suite. On ramasse le coffre. Voilà. Il y a des gens, attendez. Le piège est vide, mes poches aussi. Il y a des gens en dessous. Il y a des gens juste en dessous. Et là, on tombe là. Merde. Alors ils nous mettent des bruits là, les développeurs, les devs, ils nous ont fait un truc, ils nous mettent des bruits pour nous faire peur, mais en fin de compte on n'y en avait plus, c'était les autres qui étaient en train de finir de crever tout simplement. Voilà, là normalement on a fait tout le tour. On peut débloquer l'échelle qui sert strictement à rien. On peut s'amuser à tuer l'autre. Juste pour plaisir. C'est un coriace, lui, c'est un trash mob. Et là, il va rapporter des points. Et il est où? Il est pas fini, ce con. Oh putain, je l'ai pas fini. Mais... Ben non. Ouais, 2752, il rapportait hein, le coco. Donc là, ben on descend. On n'a plus rien à faire ici. On va... Stargazer le plus récent. Pour éviter de marcher. Et là, on va laisser taper le monde du marais. Je pense que c'est là, ouais. Pour des marais stériles, il me semble.
Pont des marais stériles. Il n'y avait pas encore un truc là, il changeait la vie tout ça. Avec Ali Doro, je sais pas si. Life is short. All I can do is keep. Non. Si. J'ai oublié une étape. Faut que je me rende au premier Stargazer, à l'entrée des marais stériles. Aller parler à Lady Doro, lui montrer qu'il y a un avis de recherche sur sa tronche. Si mes souvenirs sont bons. Donc là, on apparaît là. On avait cassé la porte en faisant tout le tour. Tac, 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 tac. On cassait la porte. Et Lady Doro, normalement, il est là. Ici. Voilà. Là, on va lui parler. Parler. À propos de la vie de recherche. What's this? A poster singing my praises? Oh dear, your practical jokes go too far. A wanted poster. Right, yeah. Let me explain. There is an one time. Eh oui, et c'est moi qui vais jouer le chasseur de tête. And he slandered me just like this. What is this world coming? Perhaps I should be. You're a worthy hunter, and it is. Oui, j'avais dit que voilà, tac tac tac, tac tac tac. Ah ouais, bah, parce qu'après il va disparaître. Je vais lui acheter les 6 premières armes parce que les médaillons, je vais pas les avoir en double, ça sert strictement à rien. Ouais, acheter les 6 premières armes parce que n'importe comment, je sais pas. Voilà. Je les aurai en double dans mon inventaire. C'est pas pour le peu que ça rapporte en termes d'ergo. Puis j'ai acheté les 6 premières armes de boss. Il me reste exactement celle-ci, je l'aurai pas parce que c'est les trucs. Il me reste 3 armes de boss à acheter. N'importe comment, après je vais être obligé de le tuer dans ma run. Là, il faut que je me rende au truc. Bibi bibi. La jante whisk, c'est vraiment. Ta, 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 ta. Et il faut que j'aille parler à l'autre. Faut que j'aille parler à l'autre. Maintenant. Life is short. All I can do is keep. That's odd. When I was hurt, he took me to Madoro. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro, I. But who knows? Maybe that wanted poster is real. You. In times like these, when truth and lies are blurred, I trust. Anyhow, take this in return. Consider it a gift suitable for times voilà, like this. Voilà, faut toujours parler deuxième fois. Il donne un ergo faible. Ouais, life c'est pas is le short. All I can do is keep. Voilà. Donc là, on n'a plus rien à y faire. Là, on a le boss démarré. J'ai bientôt réinitialisé, hein. Ouais. Vérifie depuis que j'ai fait la connerie de. Donc là. On invoque. Là, on fait comme j'ai pour habitude de faire une petite save d'avant-combat. Voilà. Donc là, on ressort. C'est marrant, la jaquette, elle a changé. Hein.
J'avais pas cette jaquette avant avec le truc brillant. C'est peut-être lié au fait que j'ai fait une NG. Ouais, j'avais pas du tout cette présentation du jeu avec ce fond d'écran. C'est que ça a dû changer. Ça a dû changer, donc 19h10, tac. Merci Jeff. C'était pas loin d'avoir 5. Des tout petits détails qui fait que ça se passe juste à côté, donc ça la prochaine fois, fais gaffe. C'est un peu ça qui manque dans cette étoile, aller un peu plus loin. Voilà. On vérifie que ça soit bien pris. Allez, et ben il va me faire chier lui. Sur lui qui est lui, il a une. Et tu vas envoyer du lourd. Tu vas aller vraiment très loin. Merci, chef. Donc il va falloir que. Papa, il est fier ? Vraiment fier. Ouais, j'étais déjà fier avant. Et là, il est là. C'est vrai ? Bon. Je peux pas trop l'approcher, donc ce que je vais faire. Je vais changer d'arme. On va prendre l'arme de. À très bientôt, merci. C'est à Paris que se retrouvent Gaspard et Clément pour la suite. On va prendre l'arme de boss. Le défi du chef. On va prendre l'arme de la marionnette. Ok. C'est beau ça. Voilà. Là. Et pour cette deuxième étoile, c'est okay. Et c'est parti. Wow. Il est parti pour me tuer, dit ce que c'est d'enculé là. Plonger. Ça se prend pour ma limite. Ah putain, j'ai pas le temps de la soigner. Là, je vais rester crevé. Ah, merde. Wouah. Vite, moi. Voilà. Aïe.
Trail, Art de Fable. On rigole pas. Hein. On rigole jamais. On rigole jamais avec avec un boss de ce niveau-là. J'ai passé quand même 1, 2, 3, 6, 4, 7. C'était 4 potions. 4 potions. Hein. Ok, j'ai utilisé mon art de femme, mais j'en ai rien à battre. Je prends le Stargazer. Là, ce que je fais, je remets. Voilà. Il y a l'Hydro. Il y a l'Hydro qui est là. Ah ouais, je savais pas qu'il y a. I got what I knew were. You have my thanks. See you at the hotel. Hein? Thank you for your hard work. Let's go back to the hotel. Thank you for your hard. Let's go back to the hotel. D'accord, ok. Bon, lui il va aller à l'hôtel. Avant, je m'en vais à Maloum. Je vais à Maloum. Ah oui, il y a la mamie à aller voir. Je vais à Maloum. On va acheter plein de trucs parce qu'on en a eu 109. Imaginez là, 109, j'avais de quoi prendre 3. Deux niveaux presque. Et pour le dressage et les petites spirales, c'est vrai que ça a une bonne tête, comme un petit réglisse, un petit bonbon. J'ai bien fait de prendre cette arme. J'aurais jamais réussi à le frapper comme je l'ai enchaîné au début. Ça m'aurait été impossible. Donc là, on va viser carrément 280, donc la V6, 70, 26. Visé 280, non 290. 26. Et 2, ça fait 60, 32. Voilà. Là, on en est à combien encore? Oh putain, on va mettre 10. Il y en a encore beaucoup, hein. Ça c'est ce que j'utilise le plus, là j'en ai un peu moins, là là faudrait que j'en prenne un petit peu. Ouais mais j'en utilise quasiment pas de ça. Ça par contre, ça j'en utilise beaucoup. Ok, donc là maintenant le ballon, tac. Go to. Quelle heure il est?
On a commencé à 6h, ça fait 1h20. Donc là, il m'était dit d'aller voir. Alidoro, la mamie et Benini. On replace les trucs comme il faut. Voilà. Donc, bon, on va faire dans l'ordre. No. Now, allow me to return the surprise. The golden ergo is. You see, the just one after all. Voilà, ok. I always welcome. On reparle au cas où. Donc, Alidoro. Voilà. I found them. It'll always remind. Let the punishment fit. A great weapon calls for a great. Acheté. Donc là, on a gagné l'épée des deux dragons que j'utilise, que je trouve très bien. Ah, vivement que j'arrive là, que je puisse voir combien d'armes de boss je puisse monter. Celle-là, je l'aurai pas, ça c'est clair. Mais là, il manque deux autres armes de boss à récupérer avec les machins, avec les cristaux machins. Come here, child. This is my first chance. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young. You are responsible for this miracle. You have no idea how much. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Même au bout de la quatrième fois que je fais le jeu, j'adore toujours ces passages-là. Mélancolique, avec du piano. Ouais. Il a du style, ce jeu. Il a vraiment un style hors du commun. Saluer les ergots. Réagissent normalement. Bon, je peux refaire le même morceau. Donc, on va aller chercher les fruits, on va les passer par le. Le truc, on va voir si on trouve le chat, si le chat il est... J'ai trouvé mon Mimi, ah, il est là. Si je parle du chat, il y a le mien qui est juste à côté là. Ah mon minou, oh il est bien, oh il est bien ma cacouille. Oh tes petits choux, oh tes petits choux d'amour ça, oh oui. Donc, j'ai soigné machin. Il faut que... Je vais remettre des... Stalker, please. Des trucs dans le cube. Il en faut deux. Voilà, comme ça j'en ai 9 tout le temps. Bien penser à faire la rotation de manière que je ne sois pas surpris, que je puisse pas réparer mon invocation pendant un combat. Donc, et là, j'ai dit j'allais faire un tour dans le bureau. Mon nez pousse. Est-ce que le chat, je vais pouvoir le caresser. Donc là, je peux pas toucher. Est-ce que je suis assez humain maintenant. Nickel, impeccable. Voyez, là déjà, c'est un bon signe. Si vous avez avancé jusque-là et que le chat, vous pouvez le caresser, ça veut dire que vous avez bien menti. Vous avez bien fait les choses.
pour tous ces petits trucs là. Là. Ça, you don't remember much. J'adore là. You asked me about Arius. Lui, il a rien de nouveau. Donc, eh ben, continuons. On n'a pas de nouveaux messages. On est au nid des marées. Je vais aller voir au pont des marées stériles, parce que si des fois l'autre il nous a ouvert le passage. Parce que vous vous souvenez, là, il y a la grotte qui est fermée là pour une espèce de grille. Je sais pas si c'est pas. Lié au fait d'avoir été parlé à Lidoro. On va le savoir tout de suite. Non, la grille, elle n'est pas ouverte. Donc, la continuité, elle est plus loin. Elle est ici. Là, on était arrivé par là-bas et on continue par là. Oui, mais c'est là, oui, justement, que ça fait faire tout le tour. Je me souviens plus comment on fait pour. Mais il me semble que je fais le tour, j'arrive à faire le tour. Je change pas les bonnes vieilles manières. L'œil du faucon. L'œil de faucon. Voilà. Quand ils sont bien placés, ça restaure assez vite le. Comment dire. Ah ouais, c'est cette fameuse zone. Ouah putain, il y a un bozo. Il y a un bozo en bas. Oh là 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 là. Fais voir, fils de pute. Merde. Oh, quel con. Mais quel con. Mais quel con. Table. Avec eux, je rigole pas, je rigole zéro parce que c'est vraiment des connards. C'est vraiment des connards. Lui, il peut me tuer à tout moment. J'arrivais sur lui bon je suis arrivé par là machin d'accord ok on m'a fait utiliser une popo hein, ce con là ce qu'il y a derrière cette porte. Ah oui, 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 ça y est, si. Je me souviens. Oh putain, on revient à Krat. Il y en a un deuxième. Réglé.
Là, il va y avoir une secousse. Voilà. Tremblement de terre. Alors là, vous vous souvenez, j'ai mes médailles qui me permettent de, d'aller dans la mer. Donc, je ne suis pas pollué. Ah ouais. Merde, c'est vrai que j'arrive là, là. Putain de merde. Putain de merde. Une seule souris suffit. Une seule souris suffit. Je sais pas s'il n'y en a pas deux là. C'est une zone que j'aime moyennement. Heureusement, il pète au premier coup. Hein. Donc, oui, mais je suis arrivé d'ici et ouais, je me barre par où. Did you feel that? An ergo amplification effect coming from Krat Central Station. I wonder if they're plotting something again. Please investigate that area. Voilà. On arrive à Krat, level 9. Il me semble que ouais, on est voilà, on arrive à Krat level 9, chapitre 9, donc voilà. On va s'en arrêter là. Hein, j'essaye de faire des médias qui soient un peu plus courts, comme ça, qui soient un peu plus lisibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait ensemble le chapitre 8 et nous allons après partir pour le chapitre 9. Donc, j'annonce d'ores et déjà, je vais faire jusqu'au chapitre 11, jusqu'à la fin. Mon NG plus 3, voilà. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.